Il y a de cela deux semaines, ils avaient réuni l'ensemble des groupements de femmes et de jeunes de la commune de Kolda, de la commune de Dioulakolon et de la commune de Sarabidji. Je leur avais promis de les accompagner, d'abord par des formations sur l'entrepreneuriat et sur beaucoup de notions qui doivent permettre à un groupement de se formaliser. Ils avaient promis cela il y a deux semaines. Aujourd'hui, nous avons réuni l'ensemble de ces groupements. Ils étaient au nombre de 200 personnes pour faire la formation en entrepreneuriat. Parce que je considère que c'est avec la formation que nous pouvons accompagner les femmes. Même si vous financez 1 milliard de dollars aux femmes d'Afrique ou aux femmes du monde, si elles ne sont pas formées au préalable, ce financement n'aura pas un impact positif sur leur quotidien. C'est pour cela que le Parti Ensemble pour le Sénégal a décidé, dans le cadre de son partenariat avec le président de la République, son Excellence Macky Sall, notamment sur le point 3 qui consacre l'amélioration du capital humain, nous voulons contribuer avec nos modestes moyens, les moyens du parti, pour accompagner toutes les femmes du Sénégal. À partir de Kolda, nous avons lancé aujourd'hui un programme national qui vise à former les groupements de femmes et les groupements de jeunes. Nous voulons les former et après, nous allons les accompagner à travers des financements avec nos partenaires locaux et internationaux. Nous allons accompagner ces femmes dans le cadre de leur projet. Parce que nous avons déjà identifié plusieurs projets par rapport au groupement et nous allons les accompagner d'abord par la formation et après pour le financement. Vous savez que dans la vie, tu ne peux pas dire que c'est seulement mes militants que je vais former. Parce que en politique, moi je crois à la politique de développement. Quelqu'un qui n'est pas avec toi aujourd'hui, si tu arrives à le convaincre à travers un projet, un programme, demain il n'est pas exclu que vous puissiez être ensemble. C'est pour cela que la politique ne doit pas être d'abord un intérêt visé, mais elle doit être objective. Si la formation est objective, si le projet est objectif, la finalité sera forcément atteinte. Et nous pensons que ce programme de formation des jeunes et des femmes répond à un besoin criard des femmes du Sénégal et des jeunes du Sénégal. Et maintenant, avec le financement, nous espérons que nous allons atteindre nos objectifs, c'est-à-dire de financer et de former les femmes du Sénégal et des jeunes du Sénégal.